Alors frérot, bien? On dit quoi là? Bah t'inquiète, j'ai fait comme tu m'as dit, je l'ai pécho la Sandra là. Elle te collera plus au cul là, c'est bon. Ah si merde mon poteau. Et franchement, tu me tires une fière chandelle du pied. Et je savais pas comment m'en débarrasser de cette grosse relou. Et ça fait au moins 2 mois que je paillasse à chaque fois qu'elle appelle, un ami. Ouais, si on peut rendre service à... Eh mais d'ailleurs, tu m'avais pas dit un petit cachotier. Oui, de quoi? Je suis tombé, elle a grave la dalle la Sandra là. Ma parole, j'ai pas dormi de la nuit. Puis Sandra, elle te fout de moi, elle est toute chiblée. Elle... Sacré coquine. Elle m'a fait des trucs de ouf. On dirait ce qu'on voudra, le fitness, badaboum. Ah, le fitness, sérieux? Mais direct, le lendemain matin, beau gosse, petit déjoli, café, croissant, turlute, tout bien, quoi. Tu rigoles, là, t'as failli m'avoir. Eh, mais tu sais bien de quoi je parle, tu connais, hein? Bah non, à vrai dire, non. Eh, frôlot, tu sais quoi? Je crois que je la kiffe, presque. Eh, d'ailleurs, je retourne direct, là, je vais remettre le couvert, mon pote. Et encore, merci beaucoup, hein. Et puis, si je peux te rendre un service dans le genre, t'inquiète, tu sais où me trouver, hein. Salut. Café, croissant, turlute. Putain. Ouais, poteau. Et moi, y'a moyen que tu me lâches son 06 à la mif.